Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Creole, Jean-Philippe Dorlandi, votre chef à la maison, qui rentre là, nous, moi, dis nous merci. Merci parce que nous avons suivi, merci pour confiance nous, et merci pour fidélité nous, parce que nous toujours encourager, nous partager chaîne pour moi, nous partager vidéo pour moi, nous faire bouche à l'oreille pour moi, ça c'est un grand merci de tout cœur. Bon, dis nous non, je te l'ai préparé un petit classique pour nous, un petit classique haïtien. Tout haïtien aime le matin surtout, petit spaghetti avec saucisse ou bien hot dog yo. Qu'on a moi-même, je dis, on va faire un spaghetti gratiné avec saucisse pour nous. Si ça simplement qu'a changé la donne. Qu'on a pour me faire spaghetti gratiné pour nous, qui ça me fait mettre de l'eau celle-là, moi le mettre le bouilli, me pas mettre là hein, sauf que on va mettre là dans de l'eau, mais moi me pas mettre, OK? Qu'on y a là, moi le faire sauce qui pour faire macaroni gratiné, OK? Moi le faire une sorte de béchamel mais qui pour le mélanger avec saucisse là tout, OK? Dans la même dimension, mettez 2 cuillères de beurre. Okay? Ça, là, c'est un petit manger vous faites pendant que vous venez sur l'église. Okay? Un petit bagage vous faites bien rapide, bien rapide. On va louer ça. Pendant que vous avez fondant, nous devons ajouter un oignon entier là-dedans. Je vais racher, je vais couper en cube, je vais déposer là-dedans. Oignon à tout sué avec beurre. Pour que les oignons soient bien sués, okay? C'est vraiment bien sué là. Ok? On a moins diminué le volume du feu, moi je mets là et deux. Je mets demi tasse de farine. On a censé mettre un gros bout de trou là. Ok. Quand on y a là, nous songez, bouillon de poulet, moi j'ai fait. Moi j'ai toujours congelé. Mais l'écrit là devant nous, bouillon de poulet. Moi juste prends les mettre dans le micro-ondes 4 minutes, moi décongeler les. Ça c'est 2 tasses de millier. Je mets là-dedans. Bouillon de poulet, ça, moi toujours dis, c'est les mêmes qui sont censés remplacer une série d'ingrédients que nous ne pouvons pas mettre. Parce que justement, quand j'ajoute un petit sel là-dedans, là, c'est excellent. Je vais commencer à quitter le fond de Dieu aussi. Pendant qu'elle commence, nous, ça me dit, nous, commencer Dieu, moi, je mets 3 tasses de lait là-dedans. Qu'on a bon, dis-nous, la question des 4 tasses de jus bouillon de poulet, 6 tasses de lait ou 2 tasses de lait ou 3 tasses de lait, ça là, c'est un manger ou fait lorsque l'église à Kaou. L'important, béchamel là doit un petit genre, pas trop épais, pas trop liquide. Après tout, on fait ça à l'œil là. On est pas noir, on va garder où est le bon, on va ajouter du lait, on va ajouter de l'eau, je vais là-dedans, ok? On a l'ambaissé volume là, mettez foum là à 4,5. Pour qu'il prend temps pour le bien cuire. De temps en temps, je brasse pour farine bien cuit. Et puis après, ça va ajouter le reste. Ça va ajouter et puis qu'on a pour le faire préparation pour nous. Ok. Là, on commence à prendre. Là. Ça, c'est quasiment commencé à prendre. Nous allons voir ça va faire là. Après, on deux minutes encore. Pas plus. Nous sommes capables de dire, pas oublier de mettre foie à 4,5. Hein. Qu'on a nous capables de dire, béchamel, nous sommes censés venir fin prêt là. On a, moi va venir avec tirer ce bagage, va le mettre yo. Va mettre sel hein, n'a remarqué, va mettre sel. Mais souci ça mettre là, si ou même si salami ou mettre ou tout mettre salami là tout, c'est parce que j'en des produits ça ou ces produits qui gagnent en pile et en pile sel, c'est pour ça me va mettre. Mettez petit saucisse moins. Mais moi mettez petit poivron en des moins, moi mettez seulement jaune, c'est seulement ça me dégain là là. On va mettre petit les 3, jaune, rouge. Après ça, ici, là, mettez piment bouc noir. Pour simplement 100 graines. On a fait un bon arrangement. Nous toujours mettons un petit piment noir. Parce que c'est très bon. Il y a un petit goût piquant. Et puis, pour très bon aussi. Et voilà. Qu'on y a là. C'est fini là. Qu'on a bras mélangé avec pâte là. Pâte là, lui-même, liquide. On fait main. C'est prêt. Qu'on a ou même. Même c'est sûr que pour le moment là, il manque sel. Moi, je connais le manque sel parce que le saucisse a beaucoup bien dilaté en dedans. Après 20 minutes comme ça, quand le saucisse a fini bien commencer à cuire, il va rentrer en bas froid. Tout sel saucisse va dégager là-dedans, ça va être excellent. Qu'on a ou même sous vlog, on va mettre un petit paprika là-dedans. Ça que pas connaît, c'est un épice au vend dans le magasin, dans le supermarché. On va mettre un petit muscade aussi. Tout petit, un petit point, un pincé. Ça va être excellent aussi. Moi-même, moi, tout quitter comme ça, nature.
Parce que moi, je mets le fromage dedans qui va apporter bon coup de goût et puis pas beaucoup de sel. Ça va être excellent. On a mal fait mélanger pour nous. Spaghetti là, moi, je vais mettre l'huile là-dedans. Hein. Je vais seulement bouillir, je vais refroidir bien refroidir. Ça veut dire sous le foie. On a regardé qui ça me fait. Je vais vider sauce là sous lui. Il va bouler en bas, rien. Toute sauce moi là. Ouais, il va bouler. Rien. Qu'on est là, moi mélanger la avec. La bon bagaille beaucoup mettre. Pendant que m'a mélangé là, même venir avec fromage là. C'est ça me dit nous beaucoup mettre. Moi mettre 4 tasses de fromage. Moi pas moi tout mettre là dans directement là. Moi pas mettre fromage sous doli. Pour qui ça? Parce que c'est pour un macaroni gratiné m'a fait. C'est un spaghetti. Donc on pas besoin d'un pile fromage sous doli. Je veux le fromage à tout entrer dedans pour tout cuire avec, ok? Et voilà. Okay, on a fait le mélanger. Le fromage est bien mélangé avec spaghetti. Quand on a la main, mais là, moule, moi, je vais le mettre là. Moi, je vais beurrer moule là. Moi, je vais vider là-dedans. Quand on a la main, mais spaghetti gratiné là, c'est parfait ça. Ok, qu'on a la moelle, mettez fourma à 350, 30-40 minutes, ça va être prêt. Qu'on a moelle, bon, un petit secret là, ok? Je vais faire long là, parce que moi-même, moi, pas fait là. Moi, je dis, nous, son petit bain, nous, café à l'œil. Venons les cas. Pendant que tu vides spaghetti à là, ou tu gardes ou elle est sec, il manque liquide qui sort du café. C'est pas un problème, hein, si tu prends lait ou bien bouillon de poulet. Lait ou bouillon de poulet, ou vider sous lui comme ça. Sans pas cuire, il n'y a pas de problème, parce que l'eau va mettre ça à cuire. Pas de c'est qui salé, c'est farine, mais la va absorber quand même. La va griller. C'est sûr qu'elle a manqué un petit peu de goût. C'est goût à venir plus léger, mais la bon pareil. Et voilà. Wow, c'est parfait. Hein? Regarde-moi ça. 350, 35 minutes, c'est parfait. Qu'on a là, on voit la bouillie là, il n'est pas trop coloré. C'est vraiment spaghetti là. Qu'on a là, m'a quitté les fins pour un petit repos. Ça veut dire 20 à 30 minutes, les fins sortent là. Dans le four, parce que sinon la trop chaude il va partir partout là. Après ça on va le couper pour Noël. Quand on a la quitte 20 minutes écoulées, l'on petit j'en refroidis, parfois là, j'en tiède. Quand on a là, on va le couper pour nous. Ok? On va dire nous quelques bagages. Première bagage, on va dire nous, c'est pas une recette que je fais pour nous là pour nous le présenter dans la réception de mariage, communion là. Non là. C'est un petit bagage familial. Ou pressé, ou venir sur l'église, ou voulez faire ça, ou faire là. Ok? Ça c'est d'une part. D'autre part, recette ça moins fait là, Jean Elias nous-mêmes. Si nous pas qu'à regarder vidéo recette là en bas vidéo, il faut mettre un petit sel là. Parce que moi, je ne vais pas manger un peu de sel, je vais manger sel. C'est pour cette raison, je vais un petit sel là-dedans. Ok? On a le couper pour moi. C'est parfait là. C'est parfait ça. Ça coupe bien. Parfait ça. Waouh. C'est parfait, hein? C'est excellent même. Même excellent. Ok? Qu'on a là. Nous baillons ça. Nous mangeons ça avec une petite salade. Nous venons passer dans l'épicerie. On prend une petite salade. On met une petite salade verte. On met une petite bonne côté. Tout si on a mangé ça. Tout comme on a mangé. Et puis parfait. Ok? C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison. Merci.